Bonjour et bienvenue dans le défi 86, 72e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, j'ai appelé ça « Lâcher le passé ». Ouais, « Lâcher le passé », m'a raconté une petite histoire. Ça fait quelques temps déjà que je me dis « faut que je fasse le ménage de mon ordi, je vais faire le ménage même de mes choses, de la maison. » Tu sais, il y a des fois, on accumule. Puis ça, c'est bon autant pour ça, hein, ce qui est là-dedans dans la boîte à poux, que la maison, que tout ce qu'on peut accumuler au fil des années, que tout ce qu'on peut accumuler dans nos ordinateurs, dans nos cellulaires, dans, tu sais, faire le ménage. Mais pourquoi faire le ménage? Pour faire de la place pour du nouveau. Parce qu'on s'attache à nos affaires. Et on reste pris dans le passé. Et François Lemay disait à un moment donné que il avait décidé de tout brûler, de tout jeter, tous ses documents, ses livres, ses formations, tout ce qu'il avait fait dans le passé pour partir avec du neuf et se faire confiance. Puis j'avais trouvé ça, dis-je, ouais, ça me fait penser à moi quand j'étais jeune. Quand j'allais à l'école, au primaire, je m'étais rendu compte que j'avais pas une mémoire de par cœur. Tu sais, j'avais pas une mémoire extraordinaire, là, mais j'avais une facilité de comprendre qui était assez rapide. Et je préférais me faire confiance plutôt que de garder mes notes de l'année d'avant puis reviser et tout ça. Moi, je préférais dire, l'année prochaine, je repars à neuf, je me fais confiance, il va y avoir de la révision de toute façon. Tu sais, fait que je repartais comme ça. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce ménage-là, puis ça faisait un bout de temps que ça me tracassait. Puis là, ben qu'est-ce qui arrive, hein? Mon ordinateur commence à faire des siennes. Fait que je me dis, oh boy, oh boy, oh boy. Fait que là, si je veux garder des affaires qui sont importantes pour moi, je suis aussi bien de mettre ça de côté. Fait que je vais faire réparer l'ordinateur, mais avant de le faire réparer, je vais mettre un autre disque dur. Je prends toutes mes données puis je les mets sur une clé 128 gigs. J'ai juste 80 gigs, fait que c'est pas si pire. Mais comme je transfère le dernier dossier et que j'avais vidé mon ordinateur, ben la clé, elle me lâche. Fait, j'ai perdu mes données. J'ai perdu toutes mes données. Fait que je fais, bon, ça a l'air que le ménage que je voulais faire, j'ai flushé tous mes bons dossiers. Il aurait peut-être été bon que je fasse le ménage moi-même, finalement. Ça aurait été une bonne affaire. Mais bon, ça nous fait voir, par exemple, en tout cas, moi, ça m'a fait faire l'exercice de à quel point est-ce qu'on est attaché à des choses. Il y avait des photos, il y avait toutes sortes de choses, mais il y avait beaucoup de travaux aussi. Comme là, c'est la fête qui s'en vient pour le 27 septembre. J'avais tout préparé, les images de fond, toutes les musiques, toute ma liste d'invités, tout ça t'a fait. Et, ben c'est parti. Puis c'est flushé. Fait qu'il faut tout que je recommence. Puis, je trouve ça drôle, en fait, hein? Il y a du vent. Désolée, puis là, tout pète en l'air. Je trouve ça drôle parce que je me dis, ben, si c'est comme ça, c'est peut-être parce que justement, je devais revoir mes affaires puis le faire d'une façon peut-être différente. Puis là, ben, j'ai plus les mêmes photos, j'ai plus les mêmes images, j'ai perdu mes données. Fait qu'il faut que je refasse tout avec du neuf et que je repense un peu tout ça. C'est quand même extraordinaire comme expérience. Hein? Fait que faire le ménage, lâcher le passé, observer à quel point on peut être attaché à des choses qui, dans le fond, j'en ai-tu vraiment besoin? T'sais? Même dans la maison, tu regardes des affaires, là, j'ai ça depuis combien d'années, puis je m'en sers pas. Fait que j'ai fait le ménage de tout ça, j'ai mis ça de côté, j'ai envoyé ça aux enfants, j'ai dit aux enfants, si vous voulez des choses là-dedans, vous êtes les premiers à regarder, sinon je vais trouver à donner ça à l'extérieur, à d'autres personnes. En fait, ce que ça fait, là, ça fait de la place pour du neuf. Ça fait de la place pour circuler, pour faire circuler l'énergie, circuler les données, circuler autant l'ordinateur, tout ce
ce que, tu sais, dans le fond, ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là, d'accumuler ça dans l'ordinateur, j'avais-tu vraiment besoin de garder tout ça? C'est de se faire confiance, puis d'y aller avec ce que tu portes, puis on bâtit, puis on fait du neuf. De toute façon, c'est toujours de la création. Puis c'est ça que je me rends compte. On a beau accumuler toutes sortes d'affaires en prévision d'eux, quand il arrive le moment de le faire, ben tu les trouves plus, fait que tu vas t'en chercher d'autres. Hein? Fait que ça vaut-tu vraiment la peine d'accumuler tant que ça? Moi, je dis que non. Moi, je dis que non. Puis, ça prend de la place. Faire circuler, lâcher le passé, arrêter de s'attacher à des choses qui, dans le fond, ont-tu vraiment de l'importance? Fait que c'est ça que ça m'a fait voir. C'est ça que ça m'a fait toucher, cette expérience-là. C'est pas la première fois que je perds des données, hein? Fait que j'ai quand même l'habitude de sauvegarder, faire différentes choses. Mais là, tu sais, c'était vraiment une situation particulière, là, où je dis, je vais mettre ça là temporairement, je vais le faire réparer, puis le lendemain, je vais le remettre dedans. Fait que, combien de chances qu'une clé neuve comme ça te lâche? Wow! Mais c'est ça. C'est ça. C'est là. Puis ça fait bon. OK. C'est ça. On repart avec du neuf. On repart avec du nouveau. Fait que lâcher nos vieilles affaires. Lâcher l'attachement aussi face à nos vieilles blessures. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais on les tient aussi, on les garde aussi, nos vieilles blessures. Parce qu'il y a comme une habitude là-dedans. On ne sait pas pourquoi on s'y attache, mais il y a une habitude dans ça. Il y a un certain confort dans ce malaise-là. Puis, si on veut faire de la place pour du neuf, si on veut faire de la place pour du positif, il faut lâcher le négatif. Hmm? Puis ça, ben, ça nous appartient d'en prendre conscience puis de le voir. Puis ça prend des événements comme ça parfois pour nous le faire réaliser. Fait que merci la vie pour la leçon. Même si ça me cause problème pour certains documents, ben, je vais m'en sortir pareil. On va recommencer la création, la créativité. Hmm? C'est ça. La leçon d'aujourd'hui, c'était ça. La leçon de vie que j'ai eue et que je vous partage aujourd'hui. Fait que je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!